assez souvent combien est-ce qu'on dépense par voyage. Alors il faut savoir qu'il y a les journées off, entre guillemets, les journées de vacances pour nous. Donc c'est les week-ends, c'est les journées qu'on décide de poser où là on se fait un peu plaisir. Mais sur une journée classique de nomade, donc c'est-à-dire du lundi au vendredi la plupart du temps, on dépense en moyenne 25 euros par personne. C'est-à-dire qu'il y a déjà 15 euros de logement, puisqu'une nuit en moyenne nous coûte 30 euros. Et ensuite, il y a 10 euros par personne pour la nourriture. Là, on compte vraiment les courses et puis les petits cafés qu'on peut boire à droite à gauche quand on veut aller bosser justement en dehors de chez nous. Pour notre dernier jour sur Paros. Ouais. On prend le bateau demain matin. Ouais, après on va à Naxos pendant 10 jours avant de rentrer. Voilà, donc on va découvrir. On sait pas trop ce que ça va donner, mais on avait envie de changer. Mmh. Et là on est parti faire. Et là on va faire un peu de contenu avant de rentrer, enfin avant de partir. Voilà, donc du coup on va faire des photos. Si vous voulez voir comment ça se passe réellement, voilà. Je suis Dora, comme dit Marius. Qu'on part vas-y, faire ton feu, ton sac. Je l'adore, il est trop pratique. Bon, je pourrais vous le détailler, mais en gros, il y a une pochette elle, pour elle, ordinateur. Elle l'a gagné, et c'est pas le plus beau truc qu'elle ait gagné. Mais si, il est trop beau. Bon, il fait de plus en plus chaud. Plus les jours passent, et plus on le sent. Là, on peut même plus sortir la journée. Du coup, on attend 5h30, 6h avant de décoller, ou alors tôt le matin. À Saint-Thomas, en septembre, c'était pareil. Hein. Ouais. 10h à 17h, impossible. Ouais, ou alors on suit direct. Mais bon. Pas trop agréable. Mais là, du coup, c'est pas plus mal. Ça nous permet d'être focus et de bien profiter le soir. Là, il est 5h30, 6h. Je pense qu'on va rentrer vers 21h. On va voir le. Ouais, encore vachement de soleil au final, mais c'est il fait beau, il fait un peu moins chaud. Et voilà. Arrivé dans cette nouvelle chambre, on a dû quitter un hôtel qu'on kiffait trop. On est resté 10 jours et en fait, vu qu'on commande au jour le jour, ils avaient plus de place. Et là, on arrive ici. Bon, c'est pas trop mal, hein. Petite vue. Là, cet après-midi, on s'est posé puis on a fait le calcul de ce que nous a coûté le voyage en entier. Bah, du coup, on avait fait un prévisionnel. Ouais. Et on n'est pas si loin. On n'est pas très loin. Alors, ouais. Je sais plus où par contre. I don't know. Moi non plus, je sais plus, mais c'est pas grave. On vous dira les chiffres. On va vous le dire. J'ai fait un petit Excel comme d'habitude. Mais du coup, en fait, on aime bien faire ça genre une semaine avant de rentrer, surtout nos voyages, parce que du coup, ça nous permet de savoir si on peut se faire plaisir pour les derniers jours. Un pote, ouais. Il a 70 piges. Il est trop gentil. Il a passé toute sa vie à voyager. Du coup, il kiffe. Bon, ouais. Il y avait pas mal d'investissements immobiliers, je crois. Ouais, pas mal d'investissements. Il aime pas trop être en France. Il s'ennuie un peu comme nous, même si on aime bien quand même la France. Célibataire qui fait le tour du monde. Ouais, il va voir ses potes et il en pisse trop. Voilà. Il était trop gentil. C'était plutôt et cool. Puis, on espère qu'à son âge, on pourra dire la même chose au final. Et là, derrière moi, vous voyez, il y a le sunset. Mais on va pas y aller parce qu'on a trop la dalle. C'est moi le sunset ? C'est toi mon sunset. On va prendre le ferry dans 20 minutes. On va à Naxos. On est parti pour Naxos. Alors, vous voulez vous montrer vite fait ce qu'on a en valise. Donc, là on a vraiment réussi à tout caler. Il y a mon sac, le sac de Claire,
Ça, c'est le stabilisateur, vis, elle est pleine non, à craquer. L'anneau lumineux. L'anneau lumineux, pardon. Et on peut le mettre dans la valise, mais là, elle est vraiment pleine à craquer parce qu'on a toutes nos courses et tout. Donc, bon, c'est vrai que ça nous fait pas mal de valises, mais là, c'est un petit transfert parce qu'on va à Naxos qui est juste en face. Donc, il y a 20 minutes de bateau. Là, on est juste à côté du port. Mais quand on part dans des pays où on sait qu'on va beaucoup bouger un peu en mode backpacker, on prend pas de valises comme ça. On a eu la mauvaise expérience à Bali. Ouais, puis là, forcément, on est au milieu du voyage, donc y a des courses en supplémentaire qu'on a prises avec nous. Il y a d'autres choses qu'on a forcément Ouais, ça va se vider au fur et à mesure. Enfin, truc avant de reprendre l'avion, donc je pense qu'on sera un petit peu plus léger. C'est clair. Arrivé à Naxos, le transfert s'est super bien passé, on a récupéré notre voiture tout de suite, on a trouvé notre hôtel tout de suite, on est trop content parce qu'on a une vue de dingue sur la mer. Ouais, c'est super, on est un peu en hauteur, ça change de balance. Et là on paye 20 euros par nuit, ouais. Pour la Grèce c'est quand même très peu, c'est le plus cher qu'on ait payé. De Agios Procopios. Enfin, on y va en tout cas. Alors, il y a beaucoup de transats. Là, on en voit plein avec des parasols, donc c'est beaucoup moins sauvage qu'à Paros. Ouais. C'est quand même une ambiance assez différente. Ça fait un peu plus station balnéaire. Ouais, carrément. Voilà. Mais l'eau est tellement transparente. L'eau est bleue de ouf. Il n'y a pas trop de vagues parce que t'es un peu dans une crique. Et puis bon, c'est hyper bien placé. T'as une vue de dingue. Allez, on y va. On vous disait que il n'y avait pas trop de monde le matin, c'est pour ça qu'on est venu. Bon, là il est 10h quand même, c'est vide. Donc là-bas, vous avez le tout au fond, c'est le côté naturiste. Voilà, bon, ça prend pas beaucoup de place sur la plage. Là, il y a une personne, je crois, sur le transat. Non, franchement, c'est le kiff cette plage. Et du coup, on a pris un hôtel pour les deux derniers jours, pas très loin d'ici. Petite pause café, on était à la plage toute la matinée, on s'est levé assez tôt donc c'était top, il n'y avait pas trop de monde, pas trop chaud. Donc là on s'est posé dans un bar trop mignon le long de la plage et ensuite on repart pour une autre plage. Septembre, et on s'était fait la réflexion déjà qu'il n'y avait pas trop de monde. Alors bien sûr que le Covid ça jouait, mais là le fait de venir avant la période d'été, on se rend compte que c'est vraiment vraiment une bonne chose. Donc je pense que si on revient l'année prochaine, on reviendra à la même date, même si c'est sur une autre île, parce que c'est vraiment intéressant de découvrir des endroits aussi magnifiques quand il y a aussi peu de monde. Ok, donc on est arrivé dans notre dernier hôtel, celui dans lequel on va passer les deux derniers jours. Et on l'a pris pour une simple et bonne raison. Bon, la chambre est splendide, on vous la montrera. Mais il y a aussi une piscine. Et ça, franchement, vu la température, c'est pas du luxe.
Ça c'est clair. Ça c'est la ville principale de Naxos. Et ça c'est la Porta, l'emblème de l'île, avec une vue imprenable sur la mer. Soirée. Et ouais. T'es triste? Non, c'était trop bien. Ok. On repart bientôt, je pense. Donc, ouais. Voilà, et puis c'est pas très long, on va revenir l'an prochain. Je pense, hein.